Salut les winners, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Seb Bricole, présent sur YouTube et sur Instagram. Tu peux me suivre aussi sur Insta. Voilà, bah écoute, aujourd'hui nous allons poser la toiture. Enfin, aujourd'hui sur 3 jours. On va essayer sur 3 jours. J'ai prévu un peu large au cas où. Voilà, on a eu une fenêtre météo nickel, pas de vent. Un super beau temps, tu vois, il n'y a pas un nuage, pas de pluie, donc surtout pas de pluie, surtout pas de vent parce que tu vois, on va poser cet écran sous toiture, tu vois. Donc là, pour le coup, s'il y a du vent, pas très bon. Voilà, bah écoute, comment ça va se présenter? Donc on va poser ce fameux écran sous toiture. Alors un écran sous toiture, comme je te l'ai déjà expliqué, ça permet d'assurer pas mal de contraintes, notamment si tu as une tuile qui pète, ça évite que l'eau elle rentre dans ton toit, ça laisse respirer tes combles et ton isolant, perméable à l'eau dans un sens et imperméable à l'eau dans l'autre, ça empêche les insectes, la poussière, voilà, de rentrer dans tes combles, ça c'est très très bien. Alors celui-là c'est le marque donc de chez Monnier, donc c'est le Spirtec 300, donc tu vois c'est un produit qui est particulièrement bien renforcé, tu vois, il y a de la fibre, ceux de la fibre tissée, et c'est super costaud. Là, il y a des petits trous, je sais pas si tu vois, voilà. Donc ça, cette face-là, c'est la face qui va aller donc côté isolant, côté intérieur, et celle-là, c'est la face qui va aller côté tuile, voilà. La toiture est là-haut, donc là, tu vois, j'ai prévu tous mes bois, tous mes litos. Alors, les litos, c'est des 27-40 posés à plat, double litelage, c'est-à-dire un lito dans le sens du chevron et un lito perpendiculaire pour accrocher les tuiles. Bon, ben, je te ferai voir tout ça au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. La première étape, ça va être de dérouler donc l'écran sous toiture sur les chevrons et venir le prendre en sandwich avec le lito qui est parallèle à ce chevron. Voilà, je vais prendre un sandwich, le visser et voilà, je vais te montrer tout ça, no soucis. Donc là, on va découper le Spirtec 300. Donc tu vois, j'ai mis un repère, le mètre. Quand j'arrive au bout, je sais que j'ai pile poil la longueur qu'il me faut pour ma largeur de toit.
Voilà, écoute, j'ai eu du mal à te filmer parce que bon, je te rappelle que je filme avec mon téléphone et du coup, il me manquait de la place et ça a été très compliqué, le téléphone s'est arrêté. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te faire une petite présentation après coup, mais tu verras, rien de bien compliqué. Ça, c'est l'ITO, donc je te rappelle qu'ils sont parallèles aux chevrons, donc ils sont vissés sur les chevrons qui sont dans ce sens-là, donc dans le même sens que ce que c'est l'ITO, tu vois. Qui sont vissés là, dans le chevron qui est juste en dessous, dans ce même alignement. Voilà. Donc à chaque fois, les litos prennent en sandwich l'écran sous toiture. Tu vois, l'écran sous toiture, en fait, il est posé sur le chevron et il est pris en sandwich avec celui-là. Voilà. Ensuite, autre particularité, quand tu mets ton écran sous toiture, il faut que celui qui va venir par-dessus passe par-dessus celui qui est en dessous. C'est pour éviter, bien entendu, que si tu as une fuite au niveau du toit, l'eau va couler et va passer sur un et hop, va descendre sur l'autre. Si tu fais le contraire, du coup, ben, l'eau elle va rentrer dans ton toit si jamais tu as une fuite, donc ça se comprend. Voilà. La jonction entre tes deux écrans sous toiture, je sais pas si tu vois. Voilà, tu vois là-bas au fond, juste là, il y a
Scotch, c'est le scotch, donc je te le mettrai en photo. C'est Aerotep Salola, qui est la marque Salola qui fait ça. Donc en fait, c'est un scotch super résistant qui résiste, qui a une garantie de 10 ans. Donc je te garantis que scotch qui est garanti 10 ans, tu peux t'en servir pour tes épilations et je te garantis, tu arracheras peut-être même la peau. Voilà, donc ça c'est la petite particularité, donc mettre ton scotch pour assurer l'étanchéité de l'air. Donc une fois que tu as fait ça, il faut que tu croises perpendiculairement avec d'autres lithos. Alors la particularité, c'est que tous les lithos, tu vois, ils font 40 par 27. Donc tu mets le 40 à plat ici sur tous et il n'y a que celui du bout ici où tu le mets vertical. Pourquoi? Parce qu'en fait, ta tuile qui est complètement au bout, elle n'a pas d'autre tuile sur laquelle elle va monter. Du coup, le nez, il aurait tendance à baisser, tu vois, le nez de la tuile. Du coup, pour pallier à ça, tu redresses ton litho ici. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu regardes sur la notice des tuiles, moi, c'est les tuiles abeilles. C'est des tuiles comme ça. Dessous, tu vois, dessous, là, tu as deux petits ergots ici. Et dessus, ici, tu as une clavette. Donc, ce qui veut dire que, en fait, tes deux petits ergots-là, il faut qu'ils viennent se claveter dessous ton litho. Voilà, et là, il est en place. Hop, c'est là. Voilà, tu vois, tes deux petites étoiles là, qui viennent en appui derrière ton litho. Alors, la première étape à faire, c'est prendre la distance de déport. Donc, moi, en l'occurrence, là, j'ai pris 13 cm. Ça te permet de calculer la position de celui-là. Et après, l'écartement entre tous. Tu regardes sur la notice technique, moi, j'ai mis 40,5. Tu as droit entre 40 et 41,5. Moi, j'ai mis 40,5. Et tu répartis tout ton litelage. Voilà. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu partages sur les réseaux sociaux, ça c'est une très bonne chose. Et tu laisses un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir et ça motive, voilà, pour que je te poste d'autres vidéos. Voilà, écoute, il y a plein de vidéos qui vont arriver, qui vont te montrer tout ça. Allez, je te dis à très vite, tchuss les winners. Thank you.